J'essuierai mes larmes sur ma manche. Réchaufferai dans mes mains ta main blanche. Embrasserai encore l'espoir qui fait qu'on s'accroche à un soupir. Que pour rien on s'échafaude un avenir. Mais ce qu'on aime, ils partent. C'est mignon, hein? Des petits œufs de Pâques. Je suis là, mais là, bien sûr, ma manche. Bien fait monter dessus! Putain, le mec! Non, mais pas de bonne. Je ne céderai rien au chagrin. Alors, moi, c'est Simon, je suis un des chanteurs de Debout sur le Zinc avec. Je joue aussi du violon et de la trompette. Moi, c'est Romain, chanteur aussi de Debout sur le Zinc et clarinettiste. Et voilà. Clarinettiste aussi. Il y a Fred à l'accordéon, ouais. Olivier, Olivier au banjo, mandole, William à la contrebasse, Momo à la batterie, Christophe à la guitare et au chant. En fait, on est un peu en tournée perpétuelle. On fait partie des groupes qui n'arrêtent pas de tourner. Puis ça fait 10 ans qu'on tourne. Avec des périodes un petit peu de relâche. Là, on est dans une période un petit peu plus creuse au niveau des concerts parce qu'on travaille sur deux projets d'albums en même temps. Ouais, alors c'est un album qui s'appelle Les Promesses. C'est le quatrième album de Debout sur le Zinc. Il est dans la continuité du troisième qui s'appelait Des singes et des moutons. Il a plutôt bien marché comme l'autre et on est content. Ouais, il a tenu ses promesses. Ouais. Il y en a plus que de musiciens. Il y a banjo, mandole, clarinette, guitare sèche, deux guitares électriques, violon, trompette, accordéon, contrebasse, basse, batterie, darbouka, caronne, claquette. La journée type d'un groupe comme Debout sur le Zinc sur la route, c'est un peu comme tous les groupes, c'est-à-dire qu'on part tous ensemble avec deux camions parce qu'on est très nombreux sur la route, parce qu'on est 7 musiciens mais il y a 4 techniciens qui nous suivent. Entre 4 et 6 heures sur la route, on peut regarder des films, écouter de la musique, on bouquine, on discute aussi encore pas mal, même après 10 ans, on a encore des trucs à se dire. On arrive sur place, en général, on est accueilli par les gens du coin. Du coup, on fait les balances tôt l'après-midi. On a un petit peu du temps à perdre. Alors, il y en a qui jouent à la belote, d'autres qui font des interviews. Après, en général, nous, on mange avant le concert. On fait le concert. Parce qu'en fait, ce qui est important dans un groupe, comme il n'y a pas de, comme il n'y a pas de, comment dire, de personnalité à mettre en avant, c'est vraiment ce qui est le primordial, c'est qu'on soit en phase, c'est-à-dire qu'on est, les mêmes intentions au même moment. Donc c'est le principal travail auquel on s'attelle tout au long de la journée, que ce soit dans le camion ou avant les concerts. Je suis là. Sur ma manche, avalerait en moi l'avalanche. Je ne céderai rien au chagrin qui souffle quand il n'y a rien à l'horizon, qui hurle quand la vie nous fait. S'en remet au hasard, au hasard. Alors ça y est, c'est déjà. C'est maintenant
que l'on se souvient. Un peu trop fort, un peu trop bien. Je suis mes larmes sur ma manche. Rafalerai chaque fois les avalanches. Je ne savais rien au chagrin. Je suis mes larmes sur ma gauche. Merci beaucoup. Bonsoir, on s'appelle Debout sur les Zincs. On est ravis de jouer à Angers au Shabada avec vous ce soir.